first full start, eh? Yeah, it's tough. I mean, the first goal obviously is just a bit unlucky, you know, comes off the defender and goes over the top. And not a whole lot you can do about that. The second one, we got a bit stretched and, you know, they did well to finish off the chance. They did well with, you know, sitting in and then counterattacking and finding the chances for themselves. And they did what they needed to do to get the 3 points. Good. Thank you. Mais oui, c'est pas facile, surtout qu'ils ont des grands joueurs avec des grands noms aussi, comme Steele, voilà, Barbara. On a joué contre eux l'année dernière, on a trouvé quand même la difficulté, mais voilà, on a trouvé encore la difficulté avec eux aujourd'hui. Voilà, on essaye d'oublier aujourd'hui et on prépare pour les prochains matchs. I think we had some problems throughout the game with some counterattacks. We knew that they were going to be quite defensive and counterattack a lot. And you know, we had that game plan, but we didn't capitalize on that. Je crois qu'on a des bons attaquants et comme l'année dernière, Ali n'avait pas marqué dans 6 matchs. Et après ça, il a marqué une quinzaine de buts dans 15 matchs. Alors l'attaque, c'est là. Il faut juste mettre un ou deux buts. Après ça, ça va floodgate trop haut, comment dire. Yeah, maybe a bit. It's frustrating when you know you're losing and you're trying to get back in the game and things aren't going your way. Sometimes you're gonna get, you know, a little bit heated out there. And again, they're a rival of ours for the past 4 years. We've had some interesting encounters with them. I remember 2007, we had a fight on the field. So you know, there's no lost love between us and Carolina. Je suis surtout déçu par la façon qu'on est rentré dans le match. On n'était pas là. Vous savez, les jours que vous vous réveillez, puis c'est des jours qui ne doivent pas exister. Aujourd'hui, on n'était pas là. Zéro. On ne méritait jamais gagner ni annuler le match. Ils ont tout le temps été plus forts que nous. Ils ont tout le temps démontré pourquoi ils sont en première place. Puis on n'a pas su contrer ça. Puis j'ai toujours pris responsabilité quand les résultats ne sont pas les positifs. Donc, je vais continuer à le faire. Mais on n'était pas plus agressif qu'eux. Ils ont complètement gagné le milieu de terrain, puis on savait que c'était une lutte là. Racine a gagné sa bataille encore. Il a été un géant là. Ils ont pris des meilleures décisions. Ils ont contrôlé le match, puis c'est dû à beaucoup de choses. Mais maintenant, je parle beaucoup avec les émotions. Il faut que je revoie le match. Puis je suis sûr qu'après revoir le match, je vais voir aussi d'autres choses. Yes, I felt that our heads were down. I felt that, you know, there was a huge lack of leadership on the field in that moment, and we talked about that at halftime. We did not have a good reaction after that goal. And still, you know, when it was 0-0 before Barbara scored, there was a lot of spaces. They were dangerous. And, you know, I even felt the goal coming. So it wasn't good. It wasn't a good first 20 minutes. We paid cash. And after, we had glimpses that we did good things, you know. But it wasn't good enough. It wasn't good enough. Yeah. It's normal, you know. We don't like Carolina. We think that they're a very good and aggressive team. They know how to get under our skin. They do it well. And we allowed that. So when you do that, you know, you put yourself in trouble, but it was a bad performance for the people that came for a rainy day like that. I think our crowd deserved much better from us. The second goal where Barbara got the one-on-one situation. Well, the ball over Achi, that one? Yeah. The second? Yeah, it was bad judgment. It can happen. Not at this level. It's an easy ball, boom, ball over, you know, it's an easy ball. You have to deal with it in a better way. Ouais. C'est une équipe qui nous complique la vie. C'est tout le temps des matchs serrés. Mais qu'est-ce que je suis déçu, c'est que on n'a pas bien joué en Caroline, puis on n'a pas bien joué ici. C'est pas des matchs que tu perds ou est-ce que quand même tu joues un bon foot. Non, nous, on n'a pas joué ni bien en Caroline ni bien à Montréal contre la Caroline. Puis contre une équipe contre la Caroline, tu dois bien jouer, sinon tu ne te donnes pas de chance de gagner. Tous tes éléments doivent être à un meilleur niveau, sinon tu ne te donnes pas de chance de gagner.